enseignants détachés de l'éducation nationale et en poste donc à l'étranger ou dans les com. Donc là, je vous ai mis les coordonnées du SNES Hors de France, car nous dépendons d'une branche spécifique de la direction nationale, qui est le secteur Hors de France. Le SNES Hors de France intervient à l'étranger et il y a plusieurs casquettes, notamment l'AEFE, la MLF, les écoles européennes, Andorre, le collectivité d'outre-mer. Ce qui nous intéresse ici, c'est le Japon. Et donc, nous dépendons de l'AEFE en ce qui concerne donc, le lycée français international de Tokyo et aussi le lycée français du Kansai. Le SNES FSU est majoritaire dans toutes les instances auxquelles il siège, alors, de manière plus ou moins nette. Donc je ne vais pas vous les détailler toutes. Voici donc les coordonnées à titre d'information. Voici donc le bureau national. Donc notre secrétaire national chargé du secteur Hors de France et des coms est actuellement Patrick Soldat, et vous avez les différents membres du bureau. Le SNES Hors de France se déplace dans les différents pays où l'AEFE a un ou plusieurs lycées. C'était le cas à Tokyo il y a quelques années, il y a longtemps que le national ne nous a pas rendu de visite. J'ai repris du site les deux dernières visites, donc c'était à Bruxelles et en Espagne. Voilà pour l'essentiel. Alors, a priori, dans cette assistance, je ne vois personne qui puisse être un adhérent du SNES FSU, si j'en vois quelques-uns. En fait, ouais. J'en vois quelques-uns. Puisque la condition pour que le SNES ait une efficacité, c'est d'être fonctionnaire détaché. Sinon, il existe des contrats locaux dans les établissements français. Mais dans le cas du Japon, les contrats locaux dépendent du droit local. Et là, je vous renvoie à ce qui a été exposé par Gaëtan Moreau et Louis Carlet. Je ne vais pas m'étendre davantage. Alors si, pour dire que le SNES est l'un des syndicats de la FSU, Fédération syndicale unitaire, et que les Français qui travaillent, les Français, pas uniquement les Français d'ailleurs, les employés en contrat local, des instituts, notamment des instituts français au Japon, peuvent. Il y avait de nombreux détachés autrefois dans ces instituts. Je crois que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, je parle sous ton contrôle, François, il n'y en a plus du tout. Donc, depuis quelques années, il n'y en a plus du tout. Donc, évidemment, les dossiers ne peuvent plus être défendus directement à Paris. Ils relèvent du droit local. Je leur conseillerais fortement de se rapprocher de la FSU MAE pour avoir vos chapitres dans ce qui se décide à Paris. Mais pour le reste, cela relève donc du droit local. Une dernière chose, le SNES est présent au Japon depuis 1967 et en général passe inaperçu, puisque étant fondamentalement un syndicat de personnel détaché, il a toujours été un petit peu centré sur le lycée. Depuis quelques temps, on essaye de communiquer plus avec l'extérieur, avec la communauté française, et c'est la raison pour laquelle nous avons notamment participé à la création de l'ELES Japon, dont je suis en l'occurrence au nom du SNES co-administrateur. Et il faut savoir que parmi ces fonctionnaires détachés, certains sont là depuis déjà assez longtemps et on fait leur vie au Japon, disons, et ils devraient y rester pour beaucoup d'entre eux. Nous voulions nous montrer un petit peu et nous pouvons vous aider sur certains dossiers, le cas échéant.
Mais sinon, pour l'essentiel, retenez bien ce que mes collègues Gaëtan Moreau et Louis Carlet ont dit. Et voilà, je laisse la parole à l'intervenant suivant. Merci.